Abbaye du Laverque, personne. De vieilles traces de ski, mais on était les seuls à venir en bagnole. Le trou là. Alors Gilou. Bébé. Un décor d'une limpidité. C'est fou. Paul, raconte-nous comment c'était en haut de la montagne là-haut. J'étais persuadé. Il a confondu les montagnes. Ouais, j'ai confondu deux parts. Ouais. Et alors ici, j'ai jeté un coup d'œil sur la crête parce qu'il y a une cabane ici. Et il y a un abri qui est là. Mais ouais, bah écoute. Où est passé cet abri? Eh ben, je t'ai dit, il est parti. Non, mais c'est sous la neige, je pense. Eh ben oui, mais attends, t'as vu la hauteur de neige qu'il y a? Bon. On va bâcher un peu. Attends, on va commencer par sortir les trucs, poser les trucs au sec sur le dos. T'as vu le cadre? Attends, Paul. Je regarde l'endroit de l'endroit. C'est là qu'on devrait dormir. J'avais pas vu ça. T'as des puces, Gilles? Ouais, alors elle me gratte l'oreille, elle m'a dit ça va pas dans le bon sens. Si t'as des puces, moi je creuse un trou à côté. Bon. Tiens. Porte bloquée. Grand mot, les grands remèdes. Parce que moi, avec moi, j'ai l'ingénieur S. Igloo. Que je vous présente. Ah. Sieur Gilles Collard, regardez-le. Non mais regardez-le ce mec. Non mais regardez-le. Et voilà. Il est en train de filmer. Alors Gilou, montre-nous ta... On s'est fait un petit abri. Vas-y. Hein? Pas donc trop ça, mal, à l'abri du vent. Là c'est l'entrée avec l'endroit pour mettre les jambes. Pour pouvoir rentrer. Et voilà. Voilà, et on rentre jusque dans l'igloo, qui est vaste, confortable, chaud. Bon, il y a bien des petits... Disons que si on devait rester quelques jours, il faudrait qu'on colmate un peu. Il ne doit pas être trop... isotherme, mais bon, on va passer une bonne nuit. Faut tremper ça. Paul a peur qu'il y ait des fuites, alors il bouche tous les trous. Il faut un peu de consistance à l'édifice parce que des fois c'est un peu neige. C'est derrière qu'il y avait des trous. De l'autre côté là-bas. Alors ensuite, un sac, un sac. Vous voulez voir poissé. Bon. Tu voulais quoi dehors? Tu voulais voir? Un grand de ceola, je ne sais pas ce que je vois. Et nous voilà repartis. Il est un petit peu plus de 7 heures. Il fait un froid de canard et le soleil se lève sur les solissimes. Voilà, on vient de sortir de la grosse barre et on arrive dans la partie terminale du col, beaucoup moins pentue, une belle envolée. On a de la chance, on n'est pas en plein soleil. Bon, on verra ce que ça donne la descente. Allez Gilou, les derniers mètres avant la tête de l'Estro. Là, il fallait...
fatigue. Allez, allez, allez. L'estrope avec Paul en haut qui arrive. Et voilà. Levée de la victoire. Super, bravo Gilou. Bravo, super. Et voilà le sommet de l'Estrau. Avril 2018. L'enchaîne. Impossible de skier ça. Paul est arrivé à l'igloo, il est déjà à poil, il fait une chaleur pas possible. C'est bien, il fait sécher tout.